Bonjour les petits loulous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, un Draco tuto justement avec les Lavencia, la deuxième partie. Vous avez vu comment obtenir les bagues en argent de Lavencia? Eh bien il nous faut 10 bagues de Lavencia et de la poudre d'argent. Pour avoir l'or, eh bien il nous faut de la poudre d'or. Je vous déconseille de passer par l'or parce que voilà, c'est pas intéressant à moins que vous fassiez du farm. Mais si vous faites du bash comme moi et que vous voulez des beaux objets, c'est pas ce qu'il faut. Il faut vraiment la bague en argent de Lavencia. On avait vu comment transformer la bague de Lavencia en bague de diamant en argent de Lavencia. Et maintenant on va voir comment transformer la bague de diamant de Lavencia. Logiquement, il faut la bague et les perles. Et on va commencer, on en a 4 et 6, et on va voir ce qui se passe. Logiquement, il faut une bague et 3 perles pour obtenir quelque chose, pour obtenir une boîte spéciale, et on va voir ce qu'on obtient. La transformation ne se passe pas comme prévu, ça veut donc dire qu'il va y avoir quelque chose. On va patienter un petit peu pour voir ce que c'est. La boîte splendide de Valencia, il faut 3 perles antiques, une bague en diamant, en argent. Une bague de diamant en argent de Lavencia. Et ensuite, on va ouvrir les boîtes et on va voir ce qu'on obtient un petit peu dans ces boîtes. Tu m'en obtiendrais 2 maintenant, tu feras un critique, ça aurait été super. Dommage. Voilà. Et donc, dans ces boîtes, que peut-on obtenir? Boîte d'armes scellées de Kazakh, des anneaux d'ogre, des boucles d'oreilles, plein de choses. Allez hop, on les ouvre. Ouvrir en continu, on va voir si on a de la chance ou pas. En même temps, j'en ai pas eu, j'avais voulu faire d'autres vidéos, mais mon launcher s'était planté, donc pas moyen de les faire. Qu'est-ce qu'on obtient dans la première? Ouais, voilà, le truc, la pierre de Kron qu'on a en surstock pour l'instant, avec tous les events qu'on a obtenus. Là, il vient de faire quelque chose, on ne sait pas trop, attaque, et voilà, là, on obtient 5 millions. Voilà, donc une pierre de Kron. Voilà, pour passer une arme d'un niveau duo plus élevé et les coléacanes dorés, donc 5 millions, donc ça vaut la peine de le faire. Donc voilà mes petits loulous, on a vu le dernier craft possible avec les Lavencia, si je ne me trompe pas. Sur ce, ben, je vais vous laisser, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, vous dire à la prochaine, et vous inquiétez pas, il y aura des vidéos de gameplay qui vont suivre. Bisous bisous, au revoir.